Mais j'ai une chaise de nain là. Ah, ça donne envie de chanter. Oh non, je vais me faire striker encore une fois, c'est pas possible, non, stop, arrête. Arrête ça tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir le chat et je remonte mon siège immédiatement. Ah ben oui, forcément, voilà, j'avais le fauteuil de passe-partout. Là, ça va beaucoup mieux. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir le chat, bonsoir les anciens, bonsoir les nouveaux. Bienvenue aux petits nouveaux qui viennent observer ce 57e live bassistique sur YouTube. Merci à vous d'être là. Hello le chat, bah, vous avez déjà démarré très très fort à ce que je vois, donc je ne peux pas tous vous citer, mais je vous reconnais et je vous salue tous. Est-ce que tout va bien pour vous, image et son, ou est-ce que je parle dans le vide? Normalement, on doit être bon. Si tout va bien, vous entendez le siège qui crisse et tout ça, hein, en toute logique, comme d'habitude. Voilà, et bah, j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Pour moi, elle a été assez intense. Et du coup, on va se détendre un petit peu ce soir en se bossant quelques grooves bassistiques très connus, très célèbres. Pourquoi? Parce qu'en tant que débutant, quand on découvre la basse, eh ben on a plein de trucs à bosser. Théorie, technique et groove. Et il y a un moment donné, dans ces grooves-là, eh ben il faut se bosser quelques petites lignes très connues. Parce que si vous avez des premières expériences de groupe qui vous arrivent, eh ben, y a des chances qu'il y ait quelques standards qui traînent dans le répertoire de reprise. Et donc, ça la foutrait mal qu'un gros standard avec une grosse ligne de basse hyper connue, eh ben, vous ne la connaissiez pas, justement. Et donc, il faut vous constituer un petit bagage de standards, de lignes de basse, en tout cas, que vous allez pouvoir ressortir à n'importe quel moment, par cœur, en mode automatique. C'est-à-dire que ces petites lignes de basse, il va falloir les intégrer dans sa mémoire musculaire et dès qu'on vous balance un titre, bim, tout de suite, la ligne de basse surgit sous vos petits doigts boudinés. C'est ça le but du jeu. Alors, la petite liste que j'ai faite ce soir, évidemment, c'est une liste complètement subjective. Évidemment, il manque gavé de lignes de basse, toutes plus connues les unes que les autres. N'hésitez pas à m'en sortir en chat, parce que si ce soir se passe bien et que ça vous a plu, et ben on pourra se faire un deuxième live prochainement sur les grandes lignes de basse à connaître. D'un côté, c'est bien de connaître des lignes de basse emblématiques. Ça, c'est, en tant que bassiste, c'est la base, quoi. Et d'un autre côté, c'est bien aussi de connaître des morceaux emblématiques, avec pas forcément des lignes de basse marquantes, mais les morceaux hyper marquants, qu'on appelle des standards. Donc ça, on pourra voir ça aussi sur un prochain live, quels sont les standards incontournables à connaître quand on est un bassiste débutant. Et quel que soit l'âge, hein, parce que même si c'est des morceaux de vieux, hein, eh ben, on se forge sa culture musicale en bossant des gros standards. On peut remonter aux années 60, 60, 70. Et par exemple, je sais pas, un truc qui me vient comme ça, Hey Joe d'Hendrix. À un moment donné, c'est obligé de le connaître par cœur, quoi, d'être capable de le jouer en bœuf quand on rencontre des musiciens ou quand le morceau est proposé dans un répertoire dans un des premiers groupes auxquels vous allez participer. Eh ben, ça fait partie des standards, par exemple, Hey Joe, voilà, il y a ça qui me vient, plein d'autres évidemment, mais voilà, il faut pouvoir se les faire, quoi. Alors ce soir, on peut commencer par ces lignes de basse emblématiques, parce qu'elles sont agréables à jouer, et puis pour une fois, le grand public est censé les reconnaître. Donc quand vous jouez un truc à la basse, c'est rare quand le public fait gaffe en fait à ce que vous faites, hein. Vous l'avez peut-être constaté pour les plus expérimentés d'entre vous. En général, les riffs de guitare, pas de problème et tout. Quand on fait des petits quiz et tout. Quand ça se passe sur une basse, c'est un peu plus chaud, quoi. Mais il y a quand même des trucs à faire. Donc, on va essayer de voir ça. Ouais, Seven Nation, Another One, Bass the Dust, comme dit Christophe. Par exemple, ouais.
Là, j'ai pas mis que des saucissons ce soir. Hein. J'ai pas mis que les gros saucissons de la basse. J'ai essayé de faire un mix en fait entre les gros saucissons hyper connus qui sont incontournables. Seven Nation Army en fait partie. Et pourtant, ça n'a pas été joué sur une basse. Mais tous les bassistes hein, connaissent ce riff-là, alors que c'est composé sur une guitare en plus, donc ça lève fou mal. Mais c'est rentré dans les standards à la base, quoi. Effectivement. Donc, je ne l'ai pas mis ce soir, je l'ai évité. J'ai évité les gros saucissons quand même. Hein. Enfin, il y en a quelques-uns. Mais, et puis d'autres, peut-être un petit peu moins connus, mais qui méritent le détour et qui, dans le monde, dans l'univers des bassistes, sont des standards hyper connus. Et on pourra voir ça. Super Freak, par exemple. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce truc-là. Mais, enfin. Je pense que tout le monde le connaît d'oreille et peut-être c'est dans l'inconscient collectif et que en fait on a fini par l'oublier. Mais si je vous fais ah, ça revient assez vite en mémoire quoi. Alors ouais, vous avez quelques suggestions dans le chat. Salut à tous encore une fois. Good Times de Chic. Ouais, j'aurais très bien pu le mettre Good Times. On n'oublie pas que ce soir, c'est plutôt open aux débutants en priorité. Donc, il y a des lignes de basse emblématiques que j'ai occultées volontairement parce qu'elles sont trop difficiles à jouer. Donc, Good Times fait partie des lignes emblématiques, mais trop difficiles à jouer pour un niveau débutant. Donc là, j'ai essayé de garder un niveau débutant ce soir. Hein, faut pas oublier ça. Hein. C'est quoi l'origine de cette utilisation du mot saucisson ? Me demande. Je ne vais pas prononcer ton pseudo. Bah, c'est ce qu'on appelle les standards en fait. Les gros saucissons, c'est en musique, c'est les morceaux hyper joués, ultra joués, trop joués et tellement joués que quelquefois ils sont même mal joués tellement ça a été joué à travers l'histoire. Les gros saucissons, c'est les trucs absolument incontournables, tellement incontournables que on finit même par les éviter tellement c'est trop fou. Alors ça n'empêche pas hein, de les répéter. Sur des lives comme ça ou pendant les cours. Hein. Ouais, Loïc, can't touch this. Mais voilà. Les gros saucissons, c'est les trucs que tout le monde joue dans les orchestres de bal. Il y a toujours, par exemple, un gros saucisson, c'est machin là. Santana. Les grosses, enfin voilà, tu vois. Oui, je parlais de Hey Joe tout à l'heure. C'est un saucisson du rock. Hein, c'est voilà, tout le monde joue à un moment donné dans sa vie Hey Joe, etc. C'est normal hein, quand on apprend un instrument, mais ça fait partie donc des gros saucissons. On a run a lonely heart. Ouais. Je l'ai pas mis non plus. Rapper's Delight, trop difficile à jouer. Pour Get Down on It, trop difficile à jouer pour des débutants. Le petit bonhomme en mousse. Quoi? Ah bah c'est biscotte, c'est normal. Je vais pas rebondir plus que ça. Alexandrie Alexandra dit Romain, mais trop difficile à jouer pour un niveau débutant. Hein. Bien sûr, la basse. Alors moi personnellement j'ai une façon bizarre de la jouer par rapport à la façon standard. Je la joue mal. What a surfy. Barge sur le Nil, je suis dans ta vie. Mais ouais, c'est un standard chez les bassistes, hein, surtout. Les gens ne remarquent pas à quel point cette ligne de basse est cool dans Alexandrie et Alexandrin. Là, on va essayer de faire des morceaux que les gens reconnaissent. Pas forcément que les bassistes, mais les gens, et puis aussi d'un niveau assez, assez cool, quoi. Ok, Johnny B. Goode, effectivement, Born to be Alive, de démonétisation. On va pas le faire, Born to be Alive, ce soir. Mais ça fait partie des standards du baluche, des standards des saucissons du funk, du disco, on va dire, plutôt. Born to be Alive. Et voilà, quoi. Donc, c'est parti. Je vous présente un petit peu les quelques morceaux qu'on va regarder. Alors, nous avons au menu... Si j'agrandis un petit peu, allez, un tout petit peu, je vais paniquer la présentation tout de suite. On a un bon vieux Pink Floyd avec Money et sa gamme mineure pentatonique. On a Under Pressure de Queen et David Bowie
avec un petit jeu de Tony Quint, parce qu'on va en profiter pour analyser un petit peu hein, ces standards, ces lignes standards. On a Cream avec Sunshine of Your Love qui utilise la gamme blues. On a le Steve Miller Band avec The Joker qui utilise une suite d'accords 1-4-5 propre au blues. On a Rick James avec Super Freak qui n'est pas tellement joué par les bassistes, j'ai l'impression. On ne pense pas tellement à ce morceau-là alors que tout le monde le connaît. Can't touch this. On va jouer ça. Les Beatles avec un bon vieux Come Together qui utilise la pentatonique mineure encore une fois. Et pour finir, je crois, ouais, un petit Earth, Wind and Fire avec Let's Groove. Donc tout ça, c'est des grooves que des débutants avec un petit peu de pratique peuvent jouer. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je dis que c'est d'un niveau que les débutants, première, deuxième, troisième année... Ouais, 3 ans, t'es débutant. Mais oui, prends ça dans ta face. C'est comme ça que ça marche. 3 années, t'es encore débutant, c'est fou. Mais oui, on doit pouvoir jouer ça. D'un côté, si on joue... Il y a plusieurs façons de dire qu'on a réussi à jouer un morceau. Soit vous avez réussi techniquement, rythmiquement, et c'est cool, c'est une première étape. Soit vous avez réussi à le jouer techniquement, rythmiquement et dans la longueur. Vous êtes capable de jouer ces lignes de basse longtemps. Et le dernier truc, techniquement, rythmiquement, dans la longueur et avec l'interprétation. Vous voyez pourquoi je mets plusieurs années dans le niveau débutant, c'est que tout dépend de quoi on parle en fait. Hein. Mais voilà, les trois sont des étapes à franchir sans problème. Quoi. Okay. Donc, un petit Money de Pink Floyd. Dans le chat, les amis, qu'est-ce qui se passe d'entrée de jeu? Qu'est-ce qu'on constate sur ce Money de Pink Floyd? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque quelque part? Dites-moi un petit peu. Il n'y a pas quelque chose là sur cette partition Money, ça commence bien. J'imagine que vous l'avez remarqué. Je vais essayer d'arrêter de tousser, hein. C'est chiant, c'est pénible. Ouais, Chris, exactement. Au début de la partoche, on a un 7. Ça commence bien. Qu'est-ce que ça veut dire? 7-4. Alors, 4, ça veut dire que quand on bat la mesure de ce morceau-là, on bat des noirs. 1, 2, 3, 4, on bat des noirs. Une noire par temps. Alors, Naur indique qu'il manque les soupirs. Il manque les soupirs, où ça donc? Sur Money? Il n'y en a pas. Tout dépend de l'écriture, en fait, de ta partition, quoi. Mais tu peux très bien ne pas mettre de soupirs, on va voir pourquoi. Ouais, c'est du 7 temps, en fait. Hein. Ouais, exact, tout le monde, là. C'est du 7 temps, donc du coup, vous avez le 7 en haut qui vous indique que chaque mesure, bah, il faut compter 7 noirs. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7... Alors, je ne sais pas si je vais arriver à compter en même temps que je vais jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2 et 3. 4, 5, 6, 7. Je vais essayer de le jouer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la ligne de basse est terminée. Elle recommence en boucle. Mais vous voyez que la ligne de basse prend 7 temps pour se finir. C'est tout simplement ça, hein, le 7-4, les mesures composées comme ça. Quoi. Voilà, vous comptez 7 temps au lieu des 4 habituels par mesure, tout simplement. Okay. Donc, Money, bah, c'est ça, ça dure 7 temps. Donc, si vous avez récupéré le document sur bassistique.com, vous devez l'avoir sous les yeux, sinon il est là. Peut-être, alors, je peux peut-être l'agrandir un petit peu. Hein. Allez, allons-y. Tac. Voilà, je descends un petit peu. Ok. Alors, dernier si en staccato. Habitude de jouer le dernier si en staccato. Oui, justement. Justement, il n'y a pas de soupir, de demi-soupir ou quoi. Mais si tu regardes bien, Nar, je ne sais pas comment prononcer ton pseudo. Alors regardez bien tous, il y a une noire, deux croches. Ouais, alors si je vous fais ça comme ça, vous n'allez pas voir mon curseur. Il y a une noire ici, ouais, deux croches et la noire ici, elle est piquée. Il y a un petit point en dessous, hein.
Elle est piquée, ça veut dire qu'elle est jouée staccato. Donc, dès lors qu'une noire est piquée, il n'y a pas besoin de mettre croche, demi-soupir pour faire comprendre que la note est jouée courte. On écrit une noire et on la pique et on comprend qu'il faut jouer court. Donc, du coup, ça va faire noir, croche, croche, boum. Et le si, ici, on le pique. Vous suivez la tablature. Et la deuxième mesure est identique à la première. Ok ? Voilà donc ma quatrième note, mon troisième temps, noir piqué. Donc là, je joue long, 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 comme des croches après. Noir, croche, croche, noir piqué. Et derrière, je joue des noires normales, longues, donc c'est-à-dire qui se suivent les unes derrière les autres. Le son ne s'interrompt pas. Donc le son ne va s'interrompre que pour la noire piquée, que j'ai oublié de piquer d'ailleurs sur la deuxième mesure. Veuillez m'en excuser, c'est une coquille. C'est une coquille. Donc vous pouvez faire tourner que la première mesure en boucle si vous voulez. Il y a le petit point à chaque fois. On regarde techniquement la chose. Voilà. Bon, bah encore une fois, pour les habitués, la bonne vieille pinçouille. Index, petit doigt. Ok ? Et on va faire ça. Index, petit doigt, petit doigt. Alors, pour les feignasses qui essayent de faire ça, là. Non ! Le petit doigt joue dans son casier. Et pas ça. Ah, il y en a un qui va me faire ça. Eh ben, tant pis pour lui, il ira aux urgences tout seul, un jour, à force de faire des écarts de doigts comme ça. Petit doigt sur l'octave et la quinte. Ici, on raccourcit la noire. Et après, sur la tablature, c'est marqué ça. Deuxième case, cinquième case, deuxième case et cinquième case. Donc là, on a un écart de 4 cases entre l'index et le petit doigt. Et vous allez me faire le plaisir de travailler vos routines techniques pour que cette main soit suffisamment souple pour me faire un écart de 4 cases sans chialer au bout de 20 secondes. Ça serait bien. Putain, je suis méchant ce soir. Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui ? Je ferai le bilan plus tard. Alors, ici, on a un fa dièse, un la, un si et un ré. On en a parlé dans les lives précédents. N'hésitez pas à remettre en cause la tablature. Si vous ne lisez pas la clé de fa, vous êtes un petit peu victime des tablatures dont vous les suivez et tout ça. Mais si vous vous rendez compte que morphologiquement, techniquement, c'est galère, n'hésitez pas à remettre en cause la tablature. Donc ça veut dire qu'on a un fa dièse, un la, un si, un ré. Et bien le la et le ré, vous avez une corde qui s'appelle la et une corde qui s'appelle ré. Bon, ben vous pouvez transformer comme ça. Corde la, si, corde de ré. Et là, c'est pépère. Ou alors, si vous aimez avoir mal. Ok ? Est-ce que ça va pour tout le monde, ce petit Pink Floyd ? Bon, bah, tout le monde connaît, hein, c'est un saucisson de la musique. Mais la petite originalité, c'est que c'est en 7 temps. Voilà. Et finalement, la ligne de basse est tellement bien écrite qu'on ne s'en rend pas forcément compte qu'on est en train de jouer 7 temps par mesure, vous ne croyez pas ? C'est vraiment, ça passe crème, quoi. Est-ce que certains d'entre vous ne viennent pas d'apprendre que ce morceau qu'on écoute depuis l'enfance est en 7 temps, finalement, et que ça nous a jamais dérangé, en fait, d'entendre des mesures à 7 temps ? Alors qu'en fait, ben, 7 temps, c'est pas 2 fois 4 temps, il manque un temps en fait. Mais la ligne de basse est tellement bien écrite que voilà, ça passe tout seul quoi. Ok ? Gilles, on se fait engueuler ce soir. Faut que je me détende. Ouais, mais c'est que tu vois, j'ai commencé un régime, et j'ai arrêté le sucre, et tu vois, je crois que ça influe un peu sur mon tempérament. Faut que je me surveille quoi, tu vois.
Parce que tu as été chez le coiffeur et tu as loupé ta couleur. Non, je suis pas encore allé chez le coiffeur. J'y vais jeudi matin, si tu veux tout savoir, Mitch. Il devrait finir en prison, son coiffeur. Il est déjà en prison depuis 3 mois. Il est chez lui, confiné, Lémi. Voilà, j'y vais jeudi. Je vais voir ma petite coiffeuse. Jeudi, à 12h30. Et ça va nous changer, effectivement. Je me suis rasé déjà, les mecs, donc hein, vous plaignez pas trop, hein. Ok, pour les Pink Floyd, ça vous va ça? On passe au deuxième groove. Ouais, pas de questions, tout va bien. Ok, c'est parti. The best riff à la basse, Rapper's Delight, dit Bruno. Je suis bien d'accord, mais encore une fois, live débutant, Rapper's Delight. Now what you hear, no. Now what you hear is not a taste and it rotten to the beat. And you, me and my friend, we're gonna try to move your feet. J'arrive pas à rapper et à jouer en même temps. Mais ça, vous l'aviez remarqué. Ok. Retour au document. Un peu de sérieux, bordel. Qu'est-ce qu'on a en deuxième groove? On a Under Pressure. Bon, ça va tout cool. Alors, un petit mot sur les partitions, là. Si vous n'êtes pas un féru de solfège rythmique et que ça vous fait peur, des croches et des doubles croches, et puis merde, il y a un soupir qui se pointe et tout. Comme je le rabâche, et je le rabâcherai encore et encore et encore, arrêtez de vous prendre la tête avec une lecture si vous ne la maîtrisez pas et chantez-vous le plan. Alors là, pour chanter, s'il y a une ligne de basse à chanter, c'est bien Under Pressure, quoi. C'était quoi ça au niveau du tempo? Si on se met un petit truc comme ça. Ouais. Super cool à se chanter ce truc-là. Donc du coup, techniquement, boum, un index ici, plan de feignasse, plan d'escroc, et à la main droite. Moi, je verrais bien quand même une petite discipline de main droite avec croche, croche en alternance. Et après, croche, 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 deux doubles. Donc la petite formule croche, deux doubles, que vous pouvez revoir sur ce petit document. Croche, deux doubles, hein, sur la première mesure ici, puis même sur la deuxième. Elles sont identiques. Pareil, le mec a fait sa feignasse en choisissant ses riffs, des riffs d'une mesure qu'il a doublé sur deux mesures. Oui, ça s'est vu qu'il a eu une grosse semaine. Bon. Mais en tout cas, il faut quand même les jouer, ces plans. Donc, croche, deux doubles, bah moi je dirais index, index majeur. Donc, ça ferait en gros plan à nouveau. Vas-y, Spielberg, envoie. Index majeur, index, index majeur. Médiator? Médiator, normalement, je crois. Hein, il me semble, je sais pas. Aussi. Ok. Donc du coup, une alternance pratiquement parfaite, sauf cette petite formule index, index majeur pour croche de double. Ok? Je respecte pas toujours. Et c'est pas bien. Mais en tout cas, voilà techniquement ce qu'on pourrait dire. Et rythmiquement, ne vous prenez donc pas la tête. Chantez-vous le plan. Par contre, évidemment, il faut bosser en rythme avec un métronome et tout ça. Oh, tu te détends, toi? Voilà.
Et si vous essayez de chanter le plan, bah, par contre, il faut le chanter en rythme. Hein. Si vous chantez juste comme ça, en fait, on ne sait pas si vous validez rythmiquement la chose, quoi. Donc vraiment, quel que soit le tempo. Et comme d'hab, hein, si vous savez le chanter en rythme, vous savez le jouer. Si au niveau du tempo ça passe pas encore, c'est parce que vos mains ne sont techniquement pas prêtes, et ça c'est juste de l'entraînement. Donc c'est pas un souci. Vraiment. Dès que vous le chantez en tempo, ça veut dire que vous savez ou que vous saurez le jouer, si vous entraînez suffisamment vos mains. Donc c'est super rassurant quand on est apprenti. Apprentisicos, quoi, hein, c'est rassurant. Vraiment, quoi. Hein. Ce que vous ne savez pas jouer au tempo pendant un temps, vous savez que ça ne durera pas parce que vous le chantez, le plan. Donc c'est vraiment super important. Ok? Bon, ça va, les enfants, j'allais dire. Oh putain, ça fait yeuv. Non, ça va, messieurs, dames? Ah, oh, c'est pas. Bon, les potos, est-ce que ça va? Médiator pour la main droite, dit Christophe. Voilà, normalement, ça se joue au Médiator, hein, il me semble, hein, Under Pressure. Eh ben, on fait comme on veut. Ceux qui maîtrisent le Médiator, Médiator. Et salut Margot, à la bourre comme d'hab. Hein, voilà, mais t'es pas la seule, j'étais limite hein, ce soir. Serge, t'as tendu la pelouse? Non, c'est pas ça. J'ai eu une journée. J'ai acheté une guitare et j'ai acheté une batterie et je suis allé les chercher les deux en même temps à deux endroits différents. Et je suis rentré à 9h moins 20, tu vois, ce soir. Donc voilà, j'étais un petit peu limite pour le live. Mais ça y est, ça redescend tranquillement. Ok. Pourquoi changer l'alternance, dit Gilles. Ça, c'est parce que quand tu es sur une formule croche de double, on part du principe que quand tu es sur un rythme de double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eh bien, le 1 et le 3 sont joués avec l'index et le 2 et le 4 sont joués avec le majeur. Donc, on essaie de respecter ça. Comme ici, tu as une croche et deux doubles. La croche, ça fait 1. On laisse passer la 2. 3, donc, pour la double et 4. Donc, ça fait 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Et tu retombes bien sur tes pieds quand tu attaques le temps suivant. Tu retombes bien sur l'index, en l'occurrence. 1, 3, 4, temps suivant avec l'index, naturellement. Si tu ne fais pas gaffe à ça et que tu fais 1 alternant sur les doubles croches, et ben le temps suivant, tu te retrouves avec le majeur. Donc tu te retrouves à l'envers et tout ça. Ta main droite, c'est. C'est caca boudin, comme dirait mon fils, quoi. Hein? Enfin, comme il le disait, il arrêtait là. Bah, il va avoir 10 ans, il serait peut-être temps qu'il arrête ses conneries. Mais voilà, en tout cas, sur le principe, c'est ça. Hein. Quand, pareil avec l'image d'un batteur, avec ses baguettes, hein, droite-gauche, croche, deux doubles. Il va faire droite-droite-gauche, 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 droite-droite-gauche. Donc on fait le même principe avec les doigts, c'est pour ça. Ok? Loïc, le chien est parti. Non, il est toujours là. C'est quoi ces messages? Ok, ça marche tout ça? Donc, Chris a écouté du Floyd tout le week-end. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas écouté. Hein. Ceci dit, ouais, faudrait que je me remette dedans. J'ai un oncle comme ça. Hein, il a assisté à un seul concert dans sa vie. C'était Pink Floyd dans les années 60 en quadriphonie. Ça sentait tellement la beuh autour de lui, et lui qui n'était pas du tout là-dedans, ça sentait tellement la beuh qu'il a dû être imprégné, il a halluciné sur le concert, et depuis, lui qui n'écoute jamais de musique, il a tous les albums de Pink Floyd depuis les années 60. Mais quand je dis tous, c'est tous, hein. Je crois que c'est le seul en France qui doit avoir autant d'albums de Pink Floyd. Il n'aime que ce groupe-là, parce qu'il a vu le concert en quadriphonie dans les années 60, imprégné par la beuh des copains autour. Il a dû avoir un flash. Ah, il a fait un blocage. Mais la musique, ouais, bah, reste excellente, quoi, évidemment. Bon, alors, troisième plan. Qu'est-ce qu'on a eu en troisième plan?
Cream, Sunshine of Your Love, je vous conseille ce groupe pour ceux qui ne connaissent pas. Cream, Sunshine of Your Love, c'est vraiment, il y avait Hendrix d'un côté, quoi, avec son trio, quoi. Mais il y avait Cream aussi, quoi. Eric Clapton, Ginger Baker, et je suis en train de bouffer le nom du bassiste. Et merde, oh là, plus de tête. Et pourtant, c'est lui qu'on va étudier, là. Help, le chat, Jack Bruce. Voilà, Ginger Baker à la batterie, un gros con génial, et Jack Bruce, génial tout court, à la basse, et en plus, il chante, super chanteur, Jack Bruce, et super bassiste, et je crois que la compo est de lui, la Sunshine of Your Love, il me semble, hein, si vous pouvez me confirmer en chat, je crois pas que ça soit Clapton, je crois que c'est Jack Bruce qui a composé ce truc-là, et alors, riff d'anthologie, alors, le voici, hop. Cream, Sunshine of Your Love. Plusieurs façons de le jouer, pareil, au niveau de la tablature. Là, je suis resté dans une zone du manche accessible pour tout le monde. Bah là, il faut faire gaffe aux demi-soupirs. Mais pareil, comme c'est des grosses lignes de basse standard, ça veut dire qu'elles sont la plupart du temps super chantantes. Donc, faites confiance à l'oreille. On a quoi, là? Ouais, un truc comme ça? Ah, pardon. Parce qu'on s'intéresse juste au riff de base. Et puis, on n'en a pas parlé, on n'a pas pris le temps, mais à chaque fois, ce qu'il faut se dire, c'est que ces riffs-là, ils sont construits sur des gammes. Et là, en l'occurrence, on est sur une gamme blues. On est sur cette gamme-là. Et en fait, c'est quoi une gamme blues? C'est simplement une gamme pentatonique. Avec une tierce mineure, donc. On est en ré. Gamme pentatonique à laquelle on a rajouté la note blues. La fameuse blue note, pour ceux qui ont entendu parler de ça. La blue note, c'est la note qui vient s'insérer entre la quarte et la quinte. Et donc, on a vraiment cette gamme, quoi. Eh ben, Sunshine of Your Love, les mecs ont vraiment bâti ce riff là-dessus. Alors pareil, hein, moi j'essaie d'utiliser ma pince au maximum, encore une fois. Index, petit doigt, index, petit doigt. Petit doigt, et alors à chaque fois, pareil, une règle fondamentale, à chaque fois que vous avez une note qui vient s'insérer entre deux notes comme ça, sur trois cases, le choix du doigt ici, là, c'est pas ce genre de plan, je sais pas comment... Hein, c'est toujours le majeur qui va venir au milieu. Donc quand vous avez une ligne de basse sur trois cases, petit doigt, majeur, index, l'inverse, index, majeur, petit doigt. On oublie l'annulaire, là, s'il vous plaît. Hein. Ça, c'est ce que je vois de temps en temps chez les élèves. Certains se reconnaîtront ce soir. Et ben, hop, petit doigt, majeur, index. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur la partage? Je l'ai mis, ce petit slide tout pourri, là, mais qui donne tellement de feeling et de groove. Non, je ne l'ai pas mis. Et ben... On peut le faire proprement.
sort d'une école de basse électrique. Ou alors, on peut le faire un petit peu, voilà, quoi, hein, un petit peu bluesy, quoi. Ah. Vous l'attaquez un peu salement, ce ré, là. Je vous montre en gros plan. Au lieu de l'attaquer proprement ici, vous faites un petit slide, par exemple, du do vers le ré. Avec le petit doigt, le slide, évidemment. Et oui, avec le petit doigt, bah, il faut travailler, c'est tout. L'index et le petit doigt. Donc, encore une fois, 98,6% du groove, c'est index petit doigt. Le majeur ici, sur la blue note. Brum, un petit slide bluesy. Tierce mineure avec l'index et petit doigt. Et on est donc sur cette gamme de blues. C'était Sunshine of Your Love, un gros, gros, gros standard de Cream. Et j'ai trippé sur ce morceau. Et le mec, hein, il joue la ligne de basse et il chante en même temps, hein, si je ne me trompe pas, quoi. Donc, Chris nous dit qu'il y a des covers de ses morceaux sur sa chaîne. Oui, Chris, ta chaîne, c'est Basse-Cour sur YouTube, hein, Chris, c'est ça, hein. Donc, allez faire un tour sur la chaîne de Chris Basse-Cour, si je ne m'abuse. Et tu as fait quelques covers de ces morceaux-là, ok? Donc voilà, c'est toujours sympa d'aller voir ça et de s'abonner. Ça fait toujours plaisir. Ah, à part Queen, j'ai joué tout le reste sur scène. Ouais, toi aussi, Chris. Voilà, hein, le vieux de la vieille. On a tous joué ces standards à un moment donné dans notre vie. Donc, je vous conseille, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, d'aller écouter Cream avec le premier vrai groupe, on va dire, d'Eric Clapton, quoi. OK ? Tout va bien pour vous, on continue. Pink Floyd, faut essayer Money, super riff de basse. Alors, c'est Bruno qui vient d'arriver. Merci Bruno, c'est le premier morceau qu'on vient de jouer ce soir sur le live. Donc, je ne sais pas si tu étais au courant, mais on a joué Money, c'était le premier riff, quoi. Ouais, alors Margot, c'est bon, j'ai mis du sang sur ma basse, c'est assez rock ça. Oui, c'est ça. Tout bassiste de rock qui ne saigne pas sur sa basse n'est pas un vrai bassiste de rock. Regardez, c'est pareil pour les batteurs, regardez le film Whiplash, c'est très très bon pédagogiquement, mais c'est génial. Si tu saignes pas sur ta caisse claire, t'es qu'une merde. Et ben sur une basse, c'est exactement la même chose. C'est faux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Steve Miller Band, The Joker. Alors là, c'est une suite 1-4-5. Ouais, j'ai pas trop insisté là-dessus. En fait, oui, c'est juste pour dire que les accords, on est en fa, et les accords suivent, la ligne de basse suit les accords. Une progression d'accords, comme ça. C'est une progression de blues. Donc voilà, j'ai juste mis ça. On n'est pas là ce soir pour se prendre la tête sur l'harmonie blues et tout ça, mais c'était juste une petite indication. Pour ceux qui sont au courant de ça, ils ne vont pas être dépaysés. Degré 1, degré 4 et degré 5. OK ? Bon, un peu plus de taf là sur cette ligne-là. Là, ça rigole un petit peu moins. Par contre, vous la connaissez tous, hein, The Joker. Alors, c'est pareil. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le solfège rythmique et vous avez tort, mais qu'à la place, vous arrivez à vous chanter la ligne, bah, même chose. Pam, pam, ta-da-dam, tam, ta-da-dam, tam, ta-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-bam-pam, ta-da-bam-pam. Ta-da-dam-tam. Voilà, vous mettez votre chapeau de cow-boy, vos tiags et vous vous inscrivez au club de country de Maryse. Maryse qui, tous les jeudis, danse country, quoi, hein, à la salle des fêtes. Et là, franchement, on passe un bon moment. Enfin, il passe un bon moment. Voilà. Mais vous pouvez faire ça. Et puis, ouais, Joker. Pardon. Alors c'est cette fin qui est délicate. Je me rends compte que je ne vous ai pas du tout montré la partition. Hein. Voilà, comme il se doit. Je la grossis un petit peu.
Voilà, on est sur Steve Miller, The Joker. Oui, donc, fa, fa, sol, la, si, b. Donc là, on a changé d'accord. Fa, on va vers un si bémol et vers un do en deuxième mesure, donc troisième case. C'est ce que je vous disais, la petite progression d'accord. Et alors, c'est la fin qui est un petit peu challenge. Alors, on regarde ça d'un petit peu plus près. Bah encore une fois, on va privilégier cette bonne pince. Index petit doigt. Alors, fa, fa, sol avec le petit doigt. On ne se prend pas la tête. Corde de la pour arriver sur le si bémol. Donc, ça veut dire qu'ici, vous êtes super confort. À la main droite, hein, vous essayez d'alterner au maximum. Hein. Si vous regardez la main droite, j'alterne au maximum index majeur. J'insiste pas hein, sur le placement rythmique des notes. Encore une fois, chantez-vous le plan et c'est cool. Et passez du temps plutôt donc sur votre technique du coup. Alors ici, si bémol, corde à vide et j'arrive sur le do. Personnellement, je vais le prendre avec l'index, je pense. Et derrière, je vais me repositionner parce que j'ai un petit plan à bosser tout en double croche à la fin. En gros, ça veut dire que vous allez encore choisir, normalement, le petit doigt et l'index. Petit doigt, corde à vide, index, corde à vide, petit doigt sur le do, corde à vide avec le mi, et c'est reparti. Si vous avez envie de rester vraiment dans cette position, de ne pas bouger ici, de ne pas mettre l'index sur le dos, pourquoi il index sur le dos? C'est légitime comme question. On peut regarder le petit doigt. Voilà. Et on n'a plus qu'à basculer le petit doigt vers le sol, do vers sol. On pourrait très bien rester comme ça. Bon, ok, donc on n'insiste pas plus que ça, à moins que vous ayez des questions là-dessus, mais vraiment, chantez-vous le plan, quoi. Les connexions sont pas top ce soir, je pense, me dit Jester. Ouais, vous avez des petits blocages sur la connexion, n'oubliez pas de rafraîchir. Purée, le live a commencé, j'étais bloqué sans le savoir, j'ai pensé à rafraîchir trop tard. Fugicator, bordel de merde. Actualisation de la page. Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? Actualisez votre page si vous avez un blocage d'image, parce que de mon côté, je suis full 4G, la connexion est excellente à tous les niveaux. Vous pourrez le vérifier sur les replays. Donc, tout va bien ici. Donc, n'hésitez pas à rafraîchir de votre côté le navigateur, quoi, hein. Et vive Google et vive Windows. Ok, tout va bien? Ouais, il faudra que tu montres un jour comment tu fais pour avoir les doigts à plat sans que la pulpe touche les autres cordes. Quand je fais ça, j'empêche les cordes de vibrer avec les doigts qui servent pas. Oui, alors c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé hein, de cette pince-là, d'arriver à utiliser index petit doigt. Et que les doigts du milieu restent à plat comme ça. Ça, c'est vraiment quelques exercices, quelques routines techniques et puis beaucoup de pratique. Hein. Il faut vraiment passer du temps là-dessus, quoi. Et mon siège a... Ah oui, mon siège a... Putain, je descends progressivement. Mais c'est fou, c'est quoi ce siège? Fou dingue. Bon, ça va? Ouais, Maxime, la connexion est bonne. Top. Hervé aussi, c'est cool, ça va? Oui, donc il faut penser à rafraîchir hein, les navigateurs, quoi. Bon, voilà ce petit joker à connaître absolument pour aller jammer avec des potes. Rick James, Super Freak.
Pareil, même punition, on se prend pas trop la tête avec le solfège rythmique. On est débutant, voilà, on n'est pas encore forcément au niveau pour ça, pour lire, pour être, avoir un bon niveau de lecture, et on y va. Encore une fois, faites confiance à votre oreille. C'est des lignes de basse emblématiques, ça veut dire qu'elles sont hyper chantantes, encore une fois, comme je vous le disais. Donc ici, on a... Pam bam, pam bam. On se le fait. Un truc comme ça. Tiens, si on met un truc... Non, on essaye, je sais pas. Un effet. C'était une petite wah-wah automatique. Dun, 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 dun. Pareil, super chantant, ça se chante quoi. Dun, 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 dun. Okay. Vous n'êtes pas obligé de chanter juste, hein, j'en suis la preuve vivante. Ce qui compte, c'est que vous soyez dedans, quoi. Hein. Que justement, ça chante en vous et vous l'exprimez en marmonnant, en chantonnant en fait. On ne vous demande pas de chanter, on vous demande de chantonner le truc pour que vraiment vous soyez imprégné de ça et qu'il y ait une danse intérieure qui se fasse, quoi. Vraiment, c'est super, super important, plus important que le solfège, vraiment, qui n'est qu'un outil. Tandis que le chant, c'est vraiment l'essence du truc. Donc vraiment, faites-le. Alors, si on analyse un petit peu, parce que je ne vous ai pas encore une fois pas du tout montré le plan, voilà ici, on s'aperçoit que sur Rick James, il y a une toute petite note au début, ici, qui précède le ré. Normalement, hein, le morceau commence par un ré. Et ben en fait, cette petite note avec une petite barre là comme ça nous signale que on doit jouer une appoggiature, une appoggiature, une appoggiature en gros. Et ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que c'est un petit peu comme tout à l'heure ce que j'ai fait pour Sunshine of Your Love, un petit peu dans le même esprit. J'attaque salement le ré. Ok, donc au lieu de l'attaquer proprement façon école de musique. Je l'attaque. Alors là, c'est là encore qu'il faut sans doute de la force dans le petit doigt et donc il faut bosser ses routines techniques. Il faut pouvoir faire cette appoggiatura avec le petit doigt. Et ensuite déplier la main gauche, un doigt par casier, c'est cool. Donc ça veut dire que finalement, cette appoggiature, ça ne se compte pas au niveau de la temporalité, n'est-ce pas? C'est sur le 1. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, on va faire 1, 2, 3, 4, 1. C'est pareil, dans le temps, c'est sur le premier temps. Donc c'est un effet de jeu en fait. Hein. Okay. Donc là, du coup, un petit peu de patate sur le petit doigt pour redéplier dans les temps derrière. Bon, vous avez vu, après, un doigt par case. Hein. Là, c'est le casier du majeur, donc voilà. Hein, je suis sur un doigt par casier finalement. Donc si je joue mon Do avec le majeur, ben, quand j'aurai le Sol à jouer, je vais le faire avec le même doigt. On va éviter les soupes de nouilles. Il n'y a pas de contrepétrie là-dedans. On va éviter... De...
Les trucs comme ça, quoi. Tiens, je vais mettre celui-là, puis tiens, le prochain coup. Balek, je mettrai celui-là, ou je sais pas pourquoi. Ouais, souvent, ça nous arrive, ça, d'être un peu nimp sur les mécanismes. Mais ça aide pas notre mémoire musculaire à enregistrer la ligne de basse. Et vous êtes censé ne plus jamais l'oublier de votre vie, cette ligne de basse, pour pouvoir la ressortir à chaque fois qu'il y a un petit bœuf et que le mec se regarde dans le blanc des yeux et se dise « Ouais, d'accord, on fait quoi ?» Alors, bah, le plus expérimenté va dire « Bon, on n'a qu'à faire un blues. »« Ah, fait chier, encore un blues, quoi. C'est parti, quoi. » Et si vous commencez à vous pointer avec votre basse en bœuf, les mecs, ils ont pas encore démarré. Tu regardes ton batteur, tu lui fais « Hey mec, tu peux me faire un truc là-dessus ?» Là, le mec, il a l'œil qui brille, qui vrille, qui... Pff, t'as le batteur qui est là. Parce que lui, le blues, ça l'emmerde, hein, le batteur. Pff, il s'en cogne, quoi. Il y a encore un blues. Tu lui sors un petit truc comme ça, l'autre, il est tout fou. Ils deviennent tout fous, quoi. Et donc, ouais, les autres zikos vont dire waouh, ça groove, basse batterie et tout. Et c'est parti, quoi. Donc, ça vous permet un petit peu d'orienter les bœufs. C'est ça aussi qui est important dans le fait d'avoir des standards en soi, soit des morceaux entiers, soit des grooves comme ça, des lignes de basse emblématiques, c'est que vous pouvez un petit peu diriger le bœuf, en fait. Quand vous ne savez pas trop sur qui vous tombez, ce que vous allez jouer, boum, au moins vous balancez un bon petit groove comme ça, ça entraîne tout le monde, c'est vous qui commandez, quoi. Ok ? Donc finalement, vous en sortez bien, quelque part. Je le sais parce que je l'ai déjà fait. Donc voilà, par exemple. Oh, c'est beau, ça, c'est, faut que ça chante en vous. Oui. Oui, tu comprends, Margot. Il faut que tu aies cette danse intérieure, que ça chante à l'intérieur de toi. Tu sais, comme les criquets l'été sur la canebière. Tu vois? Il faut que ça chante. Il faut que la ligne, il faut que tu vives ce que tu joues. Tu joues ce que tu vis. Tu joues ta vie. Ta vie est un jeu et tu dois la jouer jusqu'au bout, tu comprends? Donc voilà, c'est simple. La philosophie, elle est simple. Ça doit être gourmand croquant les lignes de basse. Tu dois vivre absolument ce que tu joues. Signé Francis Daris-Curren. Bon, on continue, hein, on continue. Il nous en reste un petit peu, finalement, le temps passe. Avec son cortège. Et on arrive sur The Beatles. The Beatles come together. Un petit peu plus chaud pour les débutants. Mais c'est prenable, sans problème, avec un petit peu de boulot. Pareil, je vous ai mis une tablature possible, je vous la joue. Ouais, moi j'aime bien la jouer comme ça, et polémico ensuite. Polémique Victor, s'il te plaît. Ce truc là. Ok, alors ouais, il y a différentes façons de le jouer. Perso, j'aime bien démarrer le ré ici, cinquième case. Et certains pourraient dire, mais t'es con quoi, t'as un ré dixième case. Pourquoi tu le fais pas comme ça hier? Eh ben oui, vous avez raison, je pourrais le faire comme ça. Ré dixième case, et il y aurait moins d'acrobatie. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'à la fin, pardon, je vous montre encore le riff. Ce qui me gêne, c'est qu'à la fin, il y a un petit slide au bout de la douzième case. Alors si vous faites un slide comme ça pour vous dépêcher de revenir ici. C'est possible, hein. Mais je trouve que c'est tout aussi acrobatique que de faire ça.
Voilà, le slide vous amène jusqu'au ré cinquième case en fait. Ok, sinon, allez vite, je reviens. Bon, moi je dis ça, je dis rien parce que je sais même pas comment McCartney jouait ça. J'ai jamais chopé de vidéo où il joue ce morceau. Pareil dans le chat, hein, si vous avez des infos, n'hésitez pas. Voilà, moi je sais pas. Vous avez des idées, vous, le chat? Non, ouais, pour l'instant. Je sais pas, mais voilà. Enfin, de toute façon, après, toujours pareil, on n'est pas obligé de copier ses idoles, ses modèles et tout ça absolument, parce qu'ils ont pas les mêmes doigts, pas le même talent, pas la même basse, etc. Donc on fait notre truc. Moi, je l'ai toujours senti comme ça. Un bon gros slide. Alors du coup, moi, je le démarre un petit peu avant le sol, le slide, par rapport à ce qui est écrit. Ouais, j'aurais tendance à le démarrer à partir du fa. Bon, ça s'entend pas trop, c'est un slide, quoi. Alors, par contre, techniquement, je vais attraper le ré avec l'index, et mon slide, je vais faire avec l'annulaire, pour une fois. Je vais pas mettre le petit doigt. Pourquoi ? Parce que quand j'arrive sur le la, j'ai besoin de mon index et de mon annulaire. Je suis en train de réaliser qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le petit doigt. Mais je le sens comme ça. Je pourrais le faire avec le petit doigt ici. Mais ça me gêne un peu dans l'esthétique, dans la gestuelle. Il y a un truc qui m'emmerde avec ces cases qui sont plus réduites. Ça m'embête un peu de faire ça. Donc du coup, pour une fois, je remplace le petit doigt par l'annulaire parce qu'on est sur des cases plus réduites, tout simplement. Ok, donc voilà, pour une fois, on peut faire ça. Donc index, slide avec l'annulaire, j'attrape la belle note ici avec l'index et je termine sur l'annulaire et je redescends en slide. Donc ça veut dire que je lâche pas l'affaire ici, hein. Ok, donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait en dire. Ce que tu proposes semble logique. Merci à toi si c'était à moi que ça s'adressait, Malil, parce que j'ai un peu loupé le chat. Ouais, ça vous va ça. C'est une alternative, hein, comme je vous disais, hein, si vous voulez prendre le do dixième case. C'est complètement possible. Remettez en cause la tablature, essayez plusieurs solutions. Ça vous permet de mieux découvrir, mieux connaître votre manche, de jouer les notes à différents endroits et tout ça, d'essayer de différentes solutions. N'hésitez pas, même quand on est débutant, faut pas hésiter à remettre en cause la tablature, à essayer un autre truc. Si vraiment ça va pas, votre prof vous le dit, ou vous devriez vous en rendre compte vous-même, vous ne mettez pas en difficulté pour rien. Mais voilà, il faut pas hésiter à tenter diverses choses. Ok. On arrive presque en une heure à faire les sept standards. Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Voilà. Don't groove in night, down the fond. Eh merde, je suis pas dans le ton. J'arrive pas à chanter en mi. De toute façon, j'arrive pas à chanter. Mais ça, vous le savez. Alors voilà ce dernier petit groove. Alors là, grand classique du disco funk, on va dire. Normalement, en soirée, Patrick Sébastien style. Si vous jouez ça à la basse, les gens doivent se dire au minimum. Je connais. Voilà. Au minimum. Et je crois que le maximum, on l'aura pas. Personne dira Earth, Wind and Fire. Ou peut-être un mec qui est un peu plus, tu vois, tac, qui a écouté. Hein. Et Let's Groove, par contre, personne le dira. Mais la ligne de basse. Ouais, j'ai déjà entendu ça, tout. Et dès que vous allez faire Down, and groovy night, down the phone, bow, and groovy night. Ah oui, 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 oui.
C'est ça. Ok. Donc vraiment, il faut en profiter de toutes ces lignes-là. Vous faites un petit quiz à la maison, une teuf l'été, vous sortez la basse. Et vraiment, vous dites, allez voilà, le petit jeu, c'est de deviner de quel morceau il s'agit. Ça vous permet vraiment de faire connaître cet instrument qui est la basse, quoi, qui est sous-estimé, qui est invisible et tout ce que vous voulez. À chaque fois que des gamins voient un bassiste jouer dans un groupe, ils trouvent ça génial et puis ils s'inscrivent à l'école au cours de guitare à la rentrée parce qu'il a cru que c'était une guitare pendant tout le concert. Voilà, c'est un instrument qui est sous-estimé. Dès que vous avez l'occasion de faire connaître votre instrument avec des lignes connues, quoi, faites-le. Faites un jeu entre potes, en famille et tout ça. Allez, faut deviner un morceau à partir de la basse seulement. Ce que les gens n'écoutent, enfin, ils font jamais gaffe à ça sur les enregistrements, quoi. Et là, d'un seul coup, vous voyez l'œil qui pétille. Ah, mais ouais, je connais ce morceau, mais ouais, je connais ce truc. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Normalement, Money, ça doit sortir, quoi. Ça doit sortir. Under Pressure, je suis pas sûr que le titre sorte, mais Queen, ouais. Ça doit sortir. Bon, ça, faut être un petit peu mélomane pour avoir écouté Cream, Sunshine of Your Love, tout ça. Joker, ça doit sortir. Quand, ça doit sortir obligatoirement. Tout le monde peut sortir ce truc-là. Ah, Joker. Voilà, c'est ça. C'est ça, mamie. Calme-toi maintenant. Assieds-toi, tu vas nous faire une... Et c'est pas le moment. Tout le monde peut sortir ça. Super Freak. On sait ce que c'est, mais on connaît pas le titre. Un grand classique. Mais voilà, il y a moyen de jouer. Les Beatles Come Together, ça peut bien se passer. Donc, Earth, Wind and Fire. Petite wah-wah automatique. On est à combien, là? Ouais, un truc comme ça. Chanter, jouer de la basse en même temps. Alors, c'est un des rares lives qu'on fera pas, ça. Basse et chant en même temps. C'est trop chaud, c'est trop fou. Appelez Sting. Mais c'est trop tard. Vous avez essayé déjà basse et chant en même temps. Ça dépend ce qu'on a à faire à la basse. Mais waouh, qu'est-ce que c'est galère, ça. Faudrait vraiment que je travaille, ce truc-là. J'aurais 10 fois plus de boulot. Ouais, donc, ce petit Earth, Wind and Fire. Ouais, vous êtes toujours là, parce que... Ouais, ça va, je ne vous ai pas perdu. On est toujours là, on est 105, 108. Impeccable, bienvenue à tous. Je n'ai pas remercié, comme je dois le faire à chaque fois, les tipeurs de cette semaine. Si vous souhaitez participer à ces lives et payer un petit café, ça commence à 1 euro sur Tipeee, les dons et tout ça. Eh bien, bienvenue à vous et c'est bien cool. J'ai encore eu la joie de constater ça cette semaine et ce mois-ci, en fait. Et sinon, vous laissez un petit pouce bleu, c'est tout aussi important et agréable pour faire remonter la vidéo dans les stats YouTube. Et en tout cas, bienvenue à vous tous. On est encore nombreux ce soir et ça fait bien, bien, bien plaisir. Earth, Wind and Fire, voilà, moi j'ai mis une petite wah-wah automatique. Et puis, c'est parti. Techniquement, si on regarde ça... hop là, bah oui, ça marche bien. Un bon vieux mi, sol, la, encore une fois, pas de secret, la pince. Salut Marilène, si tu dois filer, bonne soirée à toi et on se voit vendredi prochain. Pas de secret donc, hein. Index, petit doigt, index, boum, et l'index va glisser sur le fa dièse.
Ok. Alors, sur la partoche, je vous ai mis sur le document la fin du truc. Si, ici, et la corde là, et ainsi. Alors ça, c'est pour les débutants, justement. Hein, ça me paraît plus facile. Hop, vous venez sur le si, deuxième case, et vous jouez le la. Si, la, si. Mais je trouve que ça sonne mieux, en fait. Pareil, encore une fois, on remet en cause la tablature. Je trouve que ça sonne mieux quand on joue si, la, si. À cet endroit-là. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, ça sonne mieux. Et je trouve que l'effet est plus en valeur. La wah-wah automatique est plus en valeur, tu vois. Et on est encore sur la pince index petit doigt. Hein. Donc, vous avez le choix. Remettez en cause la tablature. Si, la, si ou si, la, si. Un son naturel. Et voilà, ok. Oui, il y a un truc auquel je pense. Ça m'arrive, moi, quand je dois jouer ce morceau-là, ça m'arrive de le faire en slap, alors pour les plus avancés. Ok. Bon, ça, c'est accessoire, mais ouais, c'est possible de le faire en slap. Oula, Hervé, t'es pas content? Qui ose encore mettre un pouce en bas? Il y a des pouces en bas, Hervé. C'est parce que j'ai des ennemis. Tu comprends? J'ai des ennemis. Oui, j'ai dû régler des comptes. Et maintenant, boum, j'ai droit à des pouces en bas. C'est comme ça. C'est la vie qui veut ça. Si la vie demande ça, etc, etc. Margot, putain, j'étais bien, mais le chant m'a perdu. C'est pas gentil, Margot. Non, 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 non. Le chant, c'est fait pour te guider, normalement. Souviens-toi. Souviens-toi. La danse, ça doit chanter. Ça doit chanter en toi. C'est tout. Non, ne me dis pas que je t'ai perturbé avec ce chant. Non, 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 non. Au contraire. Il faut que tu laisses faire. Faut que tu let in. Let the sunshine in. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Hervé, les salauds, tu es modéré, Hervé. Ok, pour tout. Alors évidemment, hein, comme je vous le disais, hein, ces lignes de basse sont loin d'être les seuls grands standards. On aurait pu se faire le coup. Ça fait partie des morceaux en soirée que les gens reconnaissent. Je sais pas, il y en a tellement que... ouais, Stand By Me, hein, Fuji. On l'avait fait, ça. On en avait parlé, hein. Évidemment, ça, c'est le saucisson hein, qui va bien, qu'il faut connaître, hein, de toute façon, quoi. La wah-wah en slap, dit Marco, putain. Pourquoi je suis attiré par les messages de Marco? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, la wah-wah en slap, il faut oser, osons. Et quelquefois, il faut s'abstenir. Voilà. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, si je vous joue un standard, un truc comme ça, les gens qui sont pas musiciens vont pas forcément percuter, mais les bassistes, puisque finalement on a cette activité là nous, vous devriez peut-être reconnaître ça. Culture disco funk. Mmh.
Alors? Ah, c'est le petit bonus du live, hein. Pour ceux qui sont encore là. Ah, Hervé est sur le coup, Loïc, Jean-Michel, yes. Freak out! Le freak, c'est chic. Freak out! Oh. Ah, bah alors là, il y a plein de bassistes là parce que vous avez tous reconnu le freak. Yes, c'est ça exactement. Saucisson. Attention, il n'y a rien de péjoratif hein, quand je dis saucisson. Hein. C'est que, au contraire, c'est devenu tellement culte. Ah non, le salaud. Ah non, non. Là, il y a un gars que je dois dénoncer dans le chat. C'est Jean, l'intro de Je marche seul. Non, tu ne peux pas m'imposer ça. Ce n'est pas possible. Je refuse. Trop dur. Alors ça, c'est un truc, tu as bien raison, Jean. L'intro de Je marche seul. J'espère qu'il n'y a pas des collègues qui regardent ce live. C'est la gênance. C'est la gênance quand on doit jouer cette intro parce que moi j'ai du mal à la retenir. Ouais, c'est chaud. Hein. Je ne vais pas le risquer. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait d'orchestre. Ça y est, je l'ai déjà oublié. Mais tu as raison. Les baluchards, en tout cas, comme moi. Rien de péjoratif non plus là-dedans, se doivent de connaître ce morceau, parce qu'on l'a tous joué, quoi. Bon, voilà, hein, c'était Nirvana, effectivement. Ouais, c'est parti pour le blind test. Hotel California, c'est un morceau, c'est un standard, c'est une icône du rock, on va dire, Kevin. Mais il n'y a pas vraiment de ligne de basse attitrée dedans, marquante. C'est juste un accompagnement. Et d'ailleurs, je me souviens plus des accords, mais c'est un accompagnement assez standard à base de quinte et d'octave, mais c'est pas vraiment. Alors, Stairway to Heaven, Yadou, tu veux dire quand. Quand ça commence à tracer. Oui, Master Blaster. Pardon, oui, c'est ça. Ouais, Master Blaster, oui, ça fait partie des standards qui sont difficiles à jouer. Hein. Là, on n'est plus chez les débutants. Hein. Mais ouais. C'est un hymne, hein, effectivement, Master Blaster. Ouais. Il y a Orion de Metallica. Mais pourquoi je tombe sur des messages de Margot à chaque fois? Il y a Orion de Metallica. Oui, tu as raison. Et je ne le connais pas. Et tu le savais. Ouais, j'ai pas la culture métal du tout. Alors Orion, je passe à côté. Mais oui, il paraît que c'est un gros standard incontournable, Orion. Non, je pourrais pas te le jouer. Alors là, si vous voulez me coller, c'est en matière de métal, je suis nulâche. C'est le terme technique qui convient. Ça manque de Red Hot, non. Red Hot, qu'est-ce qu'on aurait ?
J'ai fait, ouais, j'ai pas fait Give It Away, Loïc, mais c'était Aeroplane, ce truc-là, là. Ouais, ouais, il y a des standards chez les Red Hot, effectivement. C'est vrai, bah, Flea a marqué quand même l'instrument, quoi, à fond. Hein. Hold the Line. Merde. En mi ou en... C'est en mi, ça. Tac. Hold the line. Love is always on time. Ouais, ouais. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Putain, Jester s'est fait modérer pour Suck My Kiss. Voilà, encore un titre des Red Hot, effectivement. Jean-Michel et Anzouk. Bah, Anzouk, on a... je m'en souviens plus. Ça c'est demandé, oh, assez bouée, oh. Tant pis, faut rester couché, yeah, yeah, yeah. Je sais plus, mais oui, six bois de Cassav, c'est ça, je crois. Non, pas Cassav. Si, je sais plus. Aeroplane Maiden, Toto Africa, ouais, Les Sardines de Patrick Sébastien. Non, Jean, non. Je refuse. Il y a des choses que je refuse. J'ai quand même une éthique, une déontologie, un serment d'hypocrite, quoi. Donc, ça n'est pas possible. Sauf si je suis payé, d'où le serment d'hypocrite. Africa, ouais, pas trop compliqué. Ouais. For whom the bell tolls de Metallica, me dit Biscotte. Ouais. Je crois que j'ai jamais joué un Metallica de ma vie, les mecs. Si, ou alors j'ai joué. C'est quoi? Oui, je sais, ça fait mal aux oreilles. Margot Orion est cool à la basse, mais je te l'ai jamais demandé parce que je serais incapable de la faire. Mais justement, parce que tu ne te sens pas capable de la faire, il faut la demander, Margot. Et puis moi, ça me permettra de l'apprendre en plus, tu vois, ça me fera un truc de plus. Donc, ouais, mais il est sans doute voilà, rapide, pas facile et tout ça. Encore une fois, hein, c'est juste une question de tempo, comme disait le philosophe Philippe Laville. C'est juste une question de tempo. Et donc, il suffit de baisser le tempo et de travailler la ligne, quoi. Et on se fait plaisir quand même, je trouve. Alors, j'ai vu passer la bonne du curé, mais bien sûr, est-ce que c'est toujours Jean qui nous dit ça ou pas? Oui, Maldonne, dit Hervé Stessa, Maldonne. Oui, c'est pas Siébois, c'est Maldonne. Évidemment, bien sûr, les gars. Ouais, Chris, c'était Maldonne tout à l'heure en Zouk. Salut Jester, si tu dois y aller. You can leave your head on. God!
gonna take off your coat real slow. Ben oui, évidemment. You can leave your head on. Excellent, Billie Jean. Hé, hey, le petit secret. La mort du créole. Le petit secret sur Billie Jean. Il y a un petit truc qui est sympa. Alors, le tempo est à 117. Le petit secret, c'est quoi sur Billie Jean? Vous le connaissez? J'attends quelques réponses en chat. Qu'est-ce que ne font pas 90% des bassistes dans le monde quand ils jouent Billie Jean? Qu'est-ce qu'ils oublient de faire? Parce que ben, on n'a jamais fait gaffe à ce truc-là, mais finalement, il est essentiel dans le groove de Billie Jean. 90% des bassistes dans le monde croient bien jouer Billie Jean et non. Qu'est-ce qu'il manque? Et que là, je vous ai fait, en fait, si vous l'avez remarqué ou pas. Ouais, les Red Hot Can't Stop Ace of Spade, dit Chris. Ouais, c'est pareil, Ace of Spade. Je crois qu'un jour, on va se faire un live, j'en parlais avec Lémy, la planche. On va se faire un petit... On va se faire un petit Motorhead en live. Ouais, on va jouer du rock un petit peu. Ace of Spades... ou autre chose, mais je crois qu'on va se faire un petit Lemmy, un de ces quatre, en live, là. Hein. On va étudier un petit peu la bête, la chose, comment ça marche. Même si c'est pas mon truc, j'aime bien savoir comment ça marche, moi, en fait. Donc, et Lemmy, je crois qu'il y a des trucs à dire. Il y a des trucs à dire sur lui, sur son style, quoi. Bill Withers. In a sunshine when she's gone. In love when she's away. In a sunshine when she's gone. Every time she goes away. Ouais, Bill Withers, j'adore, moi. Pareil, il faut pouvoir... Alors voilà, In a Sunshine, il faut pouvoir le connaître, ce standard, quoi, en fait. Standard de la soul. Faut pouvoir connaître la grille, elle n'est pas difficile. Hop, on se le met dans la musette mentale et boum, on peut le jouer en bœuf facilement. Si quelqu'un, s'il y a un chanteur qui a envie de faire ça, boum, il a besoin d'un bassiste. Ain't No Sunshine, ouais, il faut en passer. Enfin, voilà, il fait partie des trucs, quoi. Pretty Woman, ouais, ouais. Pretty Woman, hein, pareil, il faut l'avoir dans les doigts. C'est quoi le problème avec Billie Jean? Est-ce que vous avez trouvé ou pas? Joe Cocker, dit Jérôme. Ouais, Joe Cocker, c'est ce qu'on a fait avec You Can Leave. Ou alors Unchained My Heart. Ça aussi, il faut pouvoir l'avoir dans les doigts quand on veut être un petit peu polyvalent et tout. Patrick, Billie Jean, j'arrive pas à le tenir. Ouais, ça, c'est la grosse galère de Billie Jean. C'est la coordination en main gauche, main droite. Parce qu'il est pernicieux, ce groove. Hein. Mais après, il faut le tenir, effectivement. Et c'est chaud, quoi. Non, personne voit le truc de... Le petit truc, qu'est-ce qui manque à 90% des bassistes dans le monde, YouTube en tout cas, qu'oublient de faire les bassistes quand ils doivent jouer Billie Jean? Non, vous ne voyez pas. Vous avez oublié cette question. Mon Pretty Woman, mon premier prof l'utilisait comme déliateur. Oui, oui, ça peut être traumatisant. Hein. Je suis d'accord avec toi, Margot. Ouais, Laurent, ouais, yes. Je joue l'octave avec le pouce dans Billie Jean.
Billie Jean, la ligne de basse, c'est pas que ça. Fa dièse. Fa dièse. Fa dièse. C'est pas que le fa dièse ici. En fait, il est doublé à l'octave. Chaque fa dièse est doublé par son octave. Ah, Chris dit qu'on n'arrête pas de le dire. Bah, c'est que j'ai loupé. Ou c'est de ça que tu parlais? Ah oui, Anthony, ouais. Ok, bah désolé les gars, si vous l'aviez dit, je l'ai pas vu. Alors tu dis... Ah, tu dis que c'est la carte en dessous, tu dis? Ouais, je crois pas, hein. Moi je crois que c'est l'octave. Hein. Ouais, c'est l'octave, hein, Anthony. Putain, c'est chaud ça. Donc ça rend le truc plus dur parce que à chaque fois on double le fa dièse avec son octave. Techniquement, c'est taré. Mais ouais, il y a peu de bassistes qui jouent ce truc-là. Et je crois que c'est un truc comme ça en fait. Hein. Voilà, bah écoutez, voilà, on a fait quelques autres petits standards de la basse. Il y en a plein d'autres, j'imagine. Hein, voilà, en discutant, ben, on en trouverait certainement plein d'autres. Soit des lignes standards très chantantes, soit des morceaux standards qu'il faudrait connaître, qu'il faudrait avoir dans sa poche quand on veut être un bassiste polyvalent. Quoi. Après, si vous êtes fan que de funk, que de métal... que de jazz, bah, vous bossez que ces styles-là. Mais si vous voulez être polyvalent et vous pointez dans les boeufs ou vous pointez dans des groupes de reprises, bah, c'est bien d'avoir un petit catalogue dans sa tête de morceaux tout prêts, gros standards et tout ça. Oui, Loïc, Frédéric François, mais bien sûr. C'est comme ça que je... Non, ça, c'est pas lui, ça. Merde, qu'est-ce qu'il faisait, Frédéric François? Putain, je sais plus. Pourtant, sur les François, je suis bon. Hein. Généralement, Frédéric François... donne-moi un titre de Frédéric François, je te le chante, par contre. À la basse, non, par contre, je te le jouerai pas. Paul, qui vient d'arriver, Come Together, qui nous suggère Come Together. Paul, tu viens d'arriver, c'est obligé, parce qu'on l'a joué Come Together dans ce live. Ouais, ça vous va, tout ça? Frédéric François. Marie. Ah bah non, ça me dit rien, ça. Marie de Frédéric François. Ah, ça me dit rien, ça. Merde, putain, faut que je refasse ma culture, Frédéric François. Merci à toi, Hervé, en tout cas, pour ton commentaire. Eh bien, écoutez, on va pouvoir se... Ouais, should I stay or should I go? Woo! Mm. Oh, now you're gonna let me know. un petit bon EM. Je sais pas si ça joue à la quinte, hein, mais... You're crazy like a fool. Pauvre Baluchard, tiens, voilà, c'est fou, c'est ça, quand t'as fait du baluche toute ta vie. Bomb track, oula, bomb track, oui, bomb track. Ouais. Bomb track de Rage Against the Machine. Ouais,
tout ça aussi, hein, c'est des lignes de basse à connaître, mais pareil, qui sont difficiles techniquement. Donc, bah, voilà, ça vient après quelques années de pratique, quoi. Hein. Parce que pareil, dans l'endurance, dans la technique, dans la coordination, il y a des lignes qui sont vraiment chaudes, quoi. Hein. Salut Maxime, merci à toi d'être passé. Ready not? Voilà. Hysteria, tout ça. Ouais. Voilà, toutes ces lignes-là sont devenues des standards, quoi, pour les bassistes. Et quelquefois, même le grand public arrive à les reconnaître, quoi. Guns of Brixton. Ah, j'aime bien. Je sais plus ce que ça fait, ça. Voilà. Ah, Magnificent Seven. Magnificent Seven, voilà, ça aussi, une ligne standard à connaître. Killing in the Name, ouais, là, faut être en détuné. Merde. C'est cool aussi. Bah, j'aime bien Rage Against the Machine parce que c'était du métal, mais du métal funk, quoi. C'était vraiment du... Enfin, il y avait du groove, quoi. C'était du métal qui groovait. Et j'aimais bien ce truc-là, quoi. Papa War the Rolling Stone. Guns of Brixton en si. Merci Anthony, je me souvenais plus de ça. Ouais, Papa was a Rolling Stones. Alors ça, Ch'tipus, bien, bah tiens, bienvenue à toi d'ailleurs. finalement. Ouais, ça c'est un super morceau pour placer trois notes, mais alors grave dans les temps. Il y a tellement de silence que j'avais envie d'en faire un live d'ailleurs de Papa Was a Rolling Stone, parce que justement trois notes, c'est un peu comme steps are what you take, walking on the moon. I hope my legs won't break. Bah ça c'est pareil pour la placer, cette ligne de basse, bien comme il faut quand on débute. C'est super dur parce qu'en plus le batteur il fait bien le couillon derrière et c'est pas vraiment pas évident, quoi. Donc ouais, il y a plein de suggestions là qui sont cool.
Silver de Nirvana, je connais pas, ouais, Got the Time d'Anthrax, tout ça, c'est pas ma culture, mais je vous fais confiance, j'imagine que c'est des lignes emblématiques dans le milieu du métal. Voilà, moi, je connais rien du tout. Ouais, Lovely Day de Bill Withers. Ouais, alors, je connais pas celle-ci, je l'ai jamais bossé, mais enfin, j'adore Bill Withers, j'adore cet artiste-là, qui vient de nous quitter, je crois, il y a quelques mois, hein. Walking on the Moon, effectivement. Rémi Gollier, les batteurs sont dans la place. Et les batteurs, hein, ils ont un taf monstrueux sur Walking on the Moon, quoi. Et voilà, quoi. C'est vraiment tous ces décalages de batterie. Et nous, les bassistes, il faut qu'on tienne alors que le batteur se décale derrière. Il y a un jeu vraiment de fou. Et nous, faut qu'on joue toujours la même ligne. ZZ Top, Lagrange. Ouais, c'est vrai, hein, ça. How, 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 how. How, 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 how. Hop là. Et ben voilà, oui, ça fait partie des standards. Oh, Mich, Eyes Without a Face de Billy Idol. Je suis fan de cette chanson. Je l'ai proposée à mon groupe de reprise. Down, 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 down. J'adore cette chanson, Eyes Without a Face. Je l'ai jamais jouée. J'adore cette chanson de Billy Idol. Je déteste ce mec. Et j'adore cette chanson, quoi. 24K de Bruno Mars. Oui. Bon. Je me souviens plus de 24K, je me souviens de. Uptown Funk. Ouais, etc. Tu peux répéter le titre Soul Sunshine? Sunshine of Your Love? C'est ça, non? C'est ça que tu parlais, Familia? Ou non, c'était quoi? And no sunshine when she's gone. Un truc comme ça. C'est de Bill Withers, ça. Yadou, t'aurais pas dû couper ta barbe. Ouais, je sais, je suis encore plus chemin que d'habitude quand j'ai plus de barbe, mais t'inquiète, ça va repousser. Je serai un petit peu plus télégénique dans 15 jours, au moins. Le mythe tombe avec la barbe coupée. Regarde Lloyd Cole. Regarde Yadou, regarde les photos de Lloyd Cole avec et sans barbe. C'est pareil, il ressemble à rien dès qu'il se coupe la barbe. Et pourtant, lui, c'est un beau mec. Got the time. Est un vieux morceau, plutôt vieux Anthrax. Oh, d'accord, ok. Eye of the Tiger. Bon, on va y aller parce que là, je suis en train de craquer, les enfants. Joe Jackson, j'adore aussi Joe Jackson. Excellent. Vertige de l'amour, tout ça. Ouais. Bon, après, c'est pas des. Kevin Blanchard qui dit le baluchard est dans la place. C'est ça, exactement. Le métier, tu vois. C'est encore ça. You are so beautiful. Hop là, Joe Cocker. Excellent. Yadou, mais non, c'est en rapport à ZZ Top. Ah oui, merde, j'avais pas compris. Merde, je t'ai livré un moment d'intimité pourtant. Ça compte pas. La balade de Melody Nelson, c'était cool. Ouais, carrément aussi. Cette ligne de basse fou dingue dans Melody Nelson, la balade de Melody Nelson. C'est l'histoire de Melody Nelson. Ouais, je le fais bien. Le roi de l'imitation, de mec pas connu. Etc. etc.
Si c'est bon comme ça, ton, 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 ton. Ouais, ton, 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 ton. Prince, je suis fan de Prince. Je suis tellement fan que j'ai jamais travaillé une seule ligne de basse de Prince. Trop grand pour moi. L'ensemble, Prince, Prince, je suis ultra fan de Prince et ça m'intéresse même pas de bosser les lignes de basse parce que là, c'est vraiment, je mets un disque et j'écoute et je prends une grosse claquouille. Désolé pour l'expression, mais c'est ça. Et Diamonds and Pearls. Alors, pour finir peut-être là-dessus, en parlant de Prince, trois albums pour moi. Gold Experience, Diamonds and Pearls et Come. Voilà, s'il y a trois albums à retenir pour moi hein, de Prince, c'est ces trois-là. Il a fait plein de merdouilles, il a fait plein de trucs disco-funk qui ont mal vieilli, il a fait plein. Mais, et on peut rajouter Rainbow Children aussi. Voilà, les quatre albums pour moi chez Prince. Gold Experience, Diamonds and Pearls, qui est fabuleux. Come, vraiment excellent. Et Rainbow Children. Allez, un petit dernier, Musicology. Voilà. Et ça tue, ça tue. Plus quelques autres, hein. Il a fait des titres absolument incroyables. Nothing Compares to You, Sometimes It Snows in April, etc. J'ai jamais travaillé une seule ligne de basse de ce mec-là, parce que c'est au-delà de la basse. Chante, chante ton âme. Avec Prince. Sly Stone, if you want me to stay, day. Ouais, excellent. Bootsy Collins, James Brown's Groove. Ouais. James Brown et Bootsy. J'ai cru que tu allais nous apprendre qu'il était décédé. Qui donc? Bootsy. Cake, I Will Survive, ouais. I Wish, peut-être, hein, dit Rémi de Stevie. Ah! Ah, je m'en souviens plus. Oh merde, j'en souviens plus de I Wish, mais ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Mais ouais, les gros standards, effectivement. Bon, bah écoutez, voilà, tous ces trucs-là, bah, y a matière de faire 6 lives avec des morceaux connus. Et puis, ça reviendra peut-être, hein, si vous avez trouvé ça cool, ce petit live ce soir de standard, de link standard. Et bah écoutez, on pourra peut-être se remettre ça sur une prochaine fois. On va aller se coucher, 22h45, mais non, mais il y en a quoi un métier, messieurs, dames, enfin. Donc, je vous la souhaite bien, bien bonne. Merci encore d'avoir été présent ce soir. On était assez nombreux, je crois, ce soir, c'était cool. On va garder 21h, si vous voulez bien. Et puis, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien, pour le 58e live. On va aller jusqu'au 60. Le 60, ça sera un petit jeu de questions-réponses. Hein. Vous pourrez poser toutes vos questions et... J'essaierai de répondre à toutes les questions bassistiques, fabrication de planches, etc. On peut en parler. Menuiserie, voilà. Moi, je prends tout, là, au bout d'un moment. Et en tout cas, merci d'avoir encore été présent et réactif sur le chat. C'était bien cool de discuter avec vous. Et je vous dis donc à dimanche prochain. Générique. Bye bye.